Hello tout le monde, Seron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur Chromagun, édité et développé par Pixelmaniac. Donc un développeur m'a gentiment contacté, enfin le développeur, enfin non même pas, c'est même pas le développeur, c'est le community manager de la boîte de développement qui m'a gentiment contacté par email pour que je puisse tester le jeu et en faire une vidéo. Je lui ai dit, ben, si le jeu me plaît, forcément je ferai une vidéo et je l'ai testé en off et il m'a plutôt plu. Du coup, bah pour le remercier, je lui fais une petite vidéo que je la partagerai bien volontiers avec eux. Donc, Chromagun, c'est quoi? Chut. C'est un jeu puzzle réflexion, j'ai envie de dire, avec en gros ce que vous voyez à droite, le gros pistolet de trois couleurs. Donc, en fonction des couleurs, il faudra se libérer de chemins bloqués par des grosses boules que vous avez pu voir. Dans la présentation de Pixelmaniac, il y a une grosse boule qui est passée avec des pics. En gros, à chaque fois, ça bloque le chemin ou une porte. Et en fonction des couleurs du pistolet, il faudra donc libérer le chemin. Sachant que chaque fonction, chaque couleur a une fonction différente. Ça peut attraper la boule, ça peut désactiver. Comment je pourrais dire ça? Désactiver un bout du mur parce que les boules s'accrochent en fonction du mur et en fonction de la couleur. Et la troisième fois que je n'en ai pas encore vu parce que j'y suis pas encore passé. Donc sans plus attendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Je peux pas recommencer à la limite. Voilà, tant pis, je vais continuer. Je vais reprendre là où j'étais. Donc c'est un peu bizarre à expliquer comme ça. Et vous allez vite comprendre que c'est pas très compliqué. Donc là, j'ai fait pas mal de chemin déjà. Ah bah non, bah ça va, on reprend là ici. Donc là, juste avant, c'était pour expliquer un peu à quoi servaient les couleurs. Bon, le jeu par contre est complètement en anglais, il me semble pas qu'on puisse... Non, on peut pas. Bon, je vous ai mis les sous-titres pour ceux qui comprennent l'anglais, mais en gros, je vous ai expliqué un peu ce qu'il fallait faire. Donc ici, comme vous pouvez voir, par exemple, à terre, il faut ouvrir la porte, parce que je peux pas passer, et il y a trois chemins. Donc forcément, il faut débloquer les trois chemins. Donc là, ici, vous voyez qu'il y a des pics. Donc là, je me les prends pas encore, logiquement, puisque elle n'est pas encore active. Et vous voyez ce genre de mur. Donc là, ici, c'est une couleur jaune. Et quand je vais dessus, ça active le trait. Donc forcément, ça active l'un des trois traits, mais il faut laisser quelque chose dessus. Donc ici, le mur est déjà activé, juste activer la boule avec la couleur jaune. Donc vous voyez que je peux changer les trois couleurs. Donc, logiquement, je peux passer rouge et vous voyez qu'elle se désactive. Par contre, la rouge, apparemment, je la grosse sur moi. On va repasser en jaune via par l'autre. Oh merde, attendez, j'ai fait de la merde. Ah, on m'attaque. Ça veut pas reprendre la jaune. Bon, tant pis. Vous savez quoi, je vais mourir. Parce que je crois que j'ai fait de la merde, j'ai désactivé tout le truc dessus. Bon, en plus ça va, j'ai débrouillé des succès en faisant de la merde. If you want helpful worker droids to Hop, on reprend ça. Mais bon, vous avez compris un peu le système. Là c'est jaune, je mets jaune, voilà. À la limite, j'aurais peut-être dû détruire ici. Je pense. Alors, par exemple, ici c'est du rouge, donc je prends le rouge, je prends ça, ça attire sur le rouge. Là, c'est pas très compliqué. Là, le bleu, je prends le bleu, ça attire sur le bleu. Logiquement, par moment, il y a des trucs marrons. Il me semble que s'il aurait été marron, j'aurais dû l'aggro dessus. Au moins, il aurait explosé. Peut-être ça aurait fait popper un nouveau truc. Mais bon, on essaiera plus tard. Donc, les niveaux sont assez rapides. On va dire que le début, c'est assez simple. Mais je peux vous dire que des fois c'est assez compliqué ou bien vous faites pas attention à ce qu'il y a autour de vous. Du coup vous cherchez pour rien. Alors ici il y a du jaune, du rouge. Donc vous voyez il faut du orange. Donc du orange tu mets du jaune. Du rouge ça fait du orange. Voilà. Bon, après il faut connaître aussi les mélanges de couleurs. Mais bon ça va, c'est un peu aidé quoi. Violet? Pourquoi il est violet? Ah d'accord, faut que je fasse un mélange sur le mur. C'est marron. Marron. Ah putain, j'ai tout niqué, je crois. Oh, du violet! Non, j'ai chié! J'ai shit! Bon, comment je vais faire du violet moi?
du rouge. Putain, fuck. Putain, du coup, je peux même pas désactiver ce qu'il y a dessus, quoi. Putain, je fais de la merde. Je sais pas si je suis obligé de mourir. Bon, vous savez quoi, je vais mourir. Ça va peut-être plus vite. In light of your recent blunders, alors, and they are many, que je fasse pas de conneries, donc là c'est du jaune. The kung fu has been proven to be futile. Du rouge. Against worker droids. Voilà. Ça ou ça. Maintenant, ça c'est du rouge et du bleu. Si je fais du rouge et du bleu. Voilà. En plus, j'ai juste avant, faut se rappeler des couleurs. Là, il y a du jaune, du vert et du bleu. Si je mets du jaune, ok. Du bleu, ça fait du vert. Nice. Oulô, oulala. Alors là, il y a du rouge. What the fuck? Donc, si je mets du jaune ici. C'est quoi? Hop, voilà, bon. Voilà. Là, si je mets du jaune. Putain, du coup, dès que je les passe en marron, je suis Ken, quoi. Alors attendez, pour faire du orange. Si je mets du rouge là, ça fait quoi? Non, pas du violet. Voilà. Là, j'ai fait du... Oh, putain, mais en fait, j'ai pris l'œil ici, j'ai fait de la merde. Pour faire du vert, c'est du jaune et du bleu. Jaune. Voilà. Et là, ici, en fait, j'ai fait de la merde. Pour le centrer, attendez, du violet, c'est quoi du violet déjà? Non, c'est pas ça. Voilà, c'est du bleu et du rouge. Donc là, il faudrait que je mette du bleu et du rouge. 1, 2, 3. Du bleu et du rouge. Du bleu et du rouge. C'est bon. Oula, là, il y a des boules qui se baladent, j'aime pas trop ça. Ok, là, il y a une seule boule. Mais bon, celui ouvert. Je sais pas ce qu'il fallait faire avec. Ah bah là, putain, il nous donne les codes couleurs. C'était quoi, jaune, rouge, ça fait orange. Ok, là, il y a un rouge. Je crois que j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Putain, mais c'est ça en fait. Après, on peut pas le supprimer. On se casse. On peut pas se barrer. Je crois que je suis obligé de mourir. En fait, dès que je me trompe, je suis obligé de mourir. Remember. Remember. If you want helpful worker droids to aid you with the completion of this chamber. These are not the worker droids you're looking for. Faut lui mettre vraiment la même couleur. Voilà, hop.
Ok, ça c'est la porte là. Wow. Pour le passage, je crois. Non. Alors, il faut du bleu. Ok. Du orange, donc c'est du rouge avec du jaune. Du vert, c'est du bleu avec du jaune. Putain, mais ça, c'est le violet, quoi. Du bleu avec du jaune, ça fait du vert, donc du bleu. Voilà. J'avais eu peur de me tromper. C'est vraiment sympa comme jeu. Hein. Après, c'est, je vous ai dit, c'est vraiment de la réflexion. Pourquoi ils sont tous... Ok. Donc si je fais du rouge plus ça... Ok, c'est un gros que dalle. Oh, pourquoi ça l'aggrope pas? Ça la groupe pas. Oulou. Ah d'accord, je vois rien. Ouvrez-moi la porte. C'est quoi si je fais ma gros tout? Putain. Il faut pas... C'est du marron pourquoi? Ça va être chaud, coco! Je sais même plus d'où je viens. Je sais pas si faut que je les force à se bloquer. Putain, dans les blocs, quoi. Bon, il y a... Il doit avoir un truc. Remember, du marron, c'est du neutre. Si helpful worker droids to aid you with the completion of this chamber. Putain, genre, je suis de recommencer en plus. The worker droids you are looking for. Ok, après là c'était les couleurs. Donc il y avait du bleu, du jaune, du bleu, du rouge, du jaune, et du rouge, du bleu. Ok. Et c'est à partir de là que je ne sais pas quoi faire en fait. Donc si je fais ça, 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 ça. Je peux pas le rare gros lui. Non, je peux pas le rare gros. Ah, ah. Alors là, les gens. Tout s'active ici, mais ils s'en fout quoi. Il doit avoir un truc, hein. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'activer.
Je ne sais pas. Du coup, si je l'ai gros sur lui, ça fait quoi? Aïe. Est-ce que ça enregistre ma position? Disons, si je prends de l'avance. De refaire ce que je voulais faire tout à l'heure, genre les mecs les mettre à la queue le jeu. On est bien. Non. Putain, mais il passe pas dedans, ça. En fait, je vais juste les faire détecter pour... Putain, mais allez là, wesh. T'es sûr c'est un truc comme ça à faire quoi? Parce que sinon je vois pas hein. En fait ça va pas jusqu'au mur. Y'en a voit pas. Pourquoi je suis auto coincé là? Ouais, bah pour le coup je suis coincé, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Bah vous savez quoi, je vais m'arrêter là. Du coup je vous laisserai découvrir plus en profondeur si vous achetez le jeu. En tout cas vous voyez qu'en quoi la difficulté est quand même là. Ou soit c'est moi qui n'ai pas trop compris le système des trucs marrons. En tout cas je remercie le développeur. Enfin non, même pas, c'est le community manager qui m'a contacté par email de m'avoir donc filé une clé du jeu pour que je puisse vous faire une petite vidéo de présentation. Je ferai sûrement une autre vraiment si j'arrive à me débloquer d'ici, parce que le jeu il m'intéresse et il a l'air super cool. Mais bon, pour le coup là je suis coincé, je vais essayer de voir comment on se débloque de là. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, rejoindre la chaîne de Facebook, le Twitter, tous les liens sont dans la description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt. Shut up, 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 shut up